Que se passe-t-il quand un enfant veut vivre avec l'autre parent? Ceci dépend des circonstances et de la réaction des personnes concernées. Si un ordre de résidence a été procuré par un tribunal, il devrait être respecté. Cependant, si aucune personne concernée ne s'oppose à un changement, celui-ci peut avoir lieu sans se soucier de modifier l'ordre de résidence. Si la situation ne plaît pas aux parents de la résidence, il peut faire modifier l'ordre de résidence par le tribunal. Ainsi, personne n'acte contrairement à la décision du tribunal et personne ne peut menacer avec une procédure judiciaire. Si aucun ordre de résidence n'existe, il n'y a aucun problème. Si les deux parents sont satisfaits par les arrangements, il n'est pas nécessaire de formaliser les arrangements en passant par un tribunal. Cependant, si le parent n'est pas satisfait par le changement d'avis de l'enfant, il peut être sage de demander un ordre de résidence.